Très fait de vous souhaiter la cordiale bienvenue à Morat, chef-lieu de notre district bilingue et pluriculturel du lac. Monsieur le Président de la Confédération pour 2023, c'est un honneur et une fierté pour moi et la population du lac de vous accueillir ici aujourd'hui sur les terres qui sont aussi les vôtres, vu que vous êtes originaire de Misery-Courtillon, une grande commune et importante commune de notre district. Sehr geehrter Herr Bundespräsident Alain Berset, Mesdames et Messieurs, dans tous vos titres et vos fonctions, liebe Gäste, Monsieur le Président de la Confédération 2023, nous vous souhaitons la bienvenue à Morat. Es ist uns eine große Ehre, Sie hier empfangen zu dürfen. Chers enfants, tout d'abord, je dois vous dire l'immense plaisir que c'est de me retrouver aujourd'hui avec vous ici à Morat. Au milieu de ce mois de décembre 2022, et déjà l'occasion, on sent toute l'histoire de cette ville. Déjà avec la mention naturellement d'éléments extrêmement importants de notre Constitution par le préfet tout à l'heure, les éléments rappelés également par la présidente de la commune, par la syndic, et puis aussi, je vais vous remercier le quart noir et blanc pour l'accompagnement aujourd'hui, très très touché de votre présence, la fanfare de Morat, Stadtmusik von Murten, merci beaucoup aussi. Et également les enfants de 5e année, 5. Klasse, das stimmt, oder? Es war hervorragend, gratulieren und danke. Und das zeigt uns, dass Morat, je vais le faire en français encore un bout, je passerai à l'allemand après. Morat est une ville d'histoire, évidemment, mais Morat n'est pas qu'une ville d'histoire. Morat, c'est aussi une grande ville du sport. La première compétition sportive qui a été recensée à Morat était une traversée du lac, le 22 juin 1476. Alors c'est une traversée du lac qui n'avait pas tellement souri à l'équipe de France, l'équipe de France de Bourgogne. Elle se pensait favorite, hein, pour tout dire, mais elle a échoué au bord de la rive. Et leur entraîneur, qui est d'ailleurs peu réputé pour sa prudence, en fit une belle attaque. Devant Morat, son cœur se brisa, a-t-on rapporté à son sujet.